évidemment. Bien évidemment, c'est moi qui remercie The Walter Smith Project, The Lost Planet et The Observatory pour avoir joué ce soir. À nous.
Merci.
Thank you.
good luck. Good luck, Mr. Gorbachev. Mikhail Gorbachev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union des républiques socialistes soviétiques, rencontrera les représentants de la société civile française dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. La locution débutera à 15h précises et sera suivie d'un débat, puis d'une réception à l'ambassade soviétique. Tu n'es pas invité, qu'importe. Tu traces de près en silence concentré. Tu enfiles chemise blanche, costard noir, cravate, bleu marine, chaussures noires, comme l'aurait fait un véritable invité. La Sorbonne a été transformée en camp retranché. La rue des écoles et toutes celles autour sont fermées à la circulation. Des barrières métalliques bordent les trottoirs. Derrière, la foule s'agglutine. Mikhail Sergeyevitch Gorbatchev, né en 1931 dans une famille paysanne de la région de Stavropol. Travailleur, infatigable, il entre à l'université de droit de Moscou et il devient, dès 1952, responsable de son komsomol étudiant. Son ascension au sein du parti est régulière. Il succède à Konstantin Tchernienko au poste de secrétaire général du parti le 11 mars 1985. On se demande alors quelle sera sa marge de manœuvre face à la vieille nomenklatura. Au bureau politique, il place ses alliés, Viktor Tchebrikov, président du KGB, Edouard Egatchev, secrétaire du comité central, responsable de l'idéologie et des cadres, et Nikolaï Rychkov, secrétaire du comité central, chargé de l'économie. Tu longes les flancs de la Sorbonne verrouillée, te demandant comment entrer. Inutile de sauter par-dessus les rambardes, de slalomer entre les gendarmes, les CRS, les policiers, en costume et en civil. Inutile de te jeter entre les membres des renseignements généraux, des services spéciaux français, russes et donc américains, bulgares, yougoslaves, chinois, bengali peut-être. Tu n'attends qu'un signe, que le destin agisse. Et voilà trois grands types au look diablement sécurité qui se frayent avec autorité un chemin dans la foule. L'air concentré, des durs à cuire, pas le genre qui pense à leurs prochaines vacances, mais service commandé. Martiaux, ils passent devant toi, à la queue leu-leu, et à une vingtaine de mètres de là, on désolidarise des barrières métalliques pour leur offrir un passage. Tu évalues la situation, tu as leur look, tu as la même taille, tu peux faire illusion à leur visage fermé, tu leur emboîtes le pas, crânement, et tu deviens le quatrième. Regard baissé, sans regarder ni autour, ni personne. Et les gendarmes mobiles ont ouvert les barrières. Et tel Moïse franchissant la mer Rouge, tu passes côté No Man's Land, suivant toujours les trois hommes qui poursuivent leur marche sans rien remarquer. Et voilà l'escalier magistral. Toujours derrière eux, tu continues, tu commences, tu parviens, c'est l'ascension. Tu respires à fond, tu fixes le tapis rouge, les bottes noires des hommes de l'homme. Tu t'attends à tout instant à être plaqué au sol par un vigile, au regard aguerri, à être submergé par une horde de gardes du corps, ravis de rouer de coups le kidam, le déséquilibré, le terroriste infiltré, mais tu atteins le grand hall sans encombre. Derrière la haie de gardes républicains se pressent des invités. Passé le premier sabre, tu tournes au fourgon à droite et disparais parmi les happy few. Le parterre est comble, mais il reste de la place au balcon et te voilà assis bientôt, alors que le silence se fait et qu'il entre sur scène. La foule se lève et applaudit. Il
se dirige vers un pupitre solitaire et commence un discours de premier secrétaire de l'Union des Républiques Soviétiques, long et ennuyeux comme la pluie, quoique du point de vue du délégué kazakh, lui pleure de joie à chaque fois qu'il pleut. Pacifier le monde, repousser l'apocalypse, bâtir la fraternité, développer le commerce, interdépendance, concentration, synergie, désarmement, balance of power. Gorbatchev achève son discours. Le public applaudit. Un micro se balade dans le parterre et le gratin peut poser sa question, expliquer sa vision des choses, interpeller l'auguste président. Ô dirigeant d'une des deux plus grandes puissances de la planète, quel est votre plat préféré? Que faites-vous pendant vos vacances? Connaissez-vous l'aligot, le gigot et l'argot? Et le dialogue s'achève. Et tu te lèves rapidement, tu veux le voir de près, l'approcher, l'assassiner peut-être. Tu n'es pas venu pour ça, mais après tout, beaucoup de meurtriers n'ont pas dû savoir le matin qu'ils allaient tuer le soir. Tu dévales les escaliers, tu atteins le grand hall et tu te figes entre deux gardes républicains. Tu sais que Gorbatchev aime serrer les mains. Sénateur, labourant sa circonscription mondiale, écrave d'un pare-brise géopolitique qui va bientôt tout emporter, il apparaît à l'Ursoul, suivi de Raïssa, de garde du corps, de conseiller. Il est à la pointe du flot, il avance lentement, serrant sans hâte des mains d'un côté puis de l'autre, et il oblique vers toi. Ça y est, le voilà, debout, face à toi, avec la tache de vin sur le haut du front, le chapeau et le costume anthracite, mais le sourire chaleureux, et il avance sa main impériale rouge, et tu la serres longtemps, et tu parviens à dire « Good luck, Mr. Gorbatchev !» Et il répond « Спасибо, I need the support of the French people !» Main chaude, énergique, regard franc, un type plutôt engageant, quoi. Et juste derrière lui, Raïssa, incongrue d'élégance pour une épouse de premier secrétaire du PC. Il faut se souvenir de Madame Khrouchtchev. Une femme si belle laisse sous-entendre, bien mieux que n'importe quel discours, l'ampleur des mutations en marche. Tu crois son regard, tu aimerais l'embrasser. Un instant passe, suspendu, éthéré, presque silencieux, dans le grand hall d'honneur de la Sorbonne. Oh, Raïssa, viens contre moi. Je te dirai des poèmes.
Thank you.
quantique. Poisson banal posé sur la télévision. Mort, le poisson banal posé sur. Merlu mort, le poisson banal posé. Du merlu mort, le poisson banal. Les yeux du merlu mort, le poisson. Dans les yeux du merlu mort, se reflète dans les yeux du merlu, qui se reflète dans les yeux du. La ville qui se reflète dans les yeux. Oubliez la ville qui se reflète dans. Essaye d'oublier la ville qui se reflète. On essaye d'oublier la ville qui. De s'extraire, on essaye d'oublier la ville. On essaye de s'extraire, on essaye d'oublier. Recouvre, on essaye de s'extraire, on essaye. Tout recouvre, on essaye de s'extraire, on. Envahisse tout, recouvre, on essaye de s'extraire. Tru, envahisse tout, recouvre, on essaye. Plus de rue, envahisse tout, recouvre. Toujours plus de rue, envahisse tout. Toujours plus de rue envahisse. Plus de rue, toujours plus de rue. Inexorablement plus de rue, toujours plus. Croise inexorablement plus de rue, toujours. Qui croise inexorablement plus de rue. Sans cesse qui croise inexorablement plus. Repousser sans cesse qui croise inexorablement. Peur repousser sans cesse qui croise. De nos peurs repousser sans cesse qui. Le territoire de nos peurs repousser sans cesse. Dans le territoire de nos peurs repoussées, de l'intime dans le territoire de nos peurs, l'orbe de l'intime dans le territoire de nos. Dans l'orbe de l'intime dans le territoire, compte dans l'orbe de l'intime dans nos. Qui compte dans l'orbe de l'intime, cloison qui compte dans l'orbe, la hâte cloison qui campe dans. À la hâte cloison qui campe, dressée à la hâte cloison qui. Des plaques dressées à la hâte, cloison. Des parois, des plaques dressées à la hâte. Des murs, des parois, des plaques dressées à. Entre des murs, des parois, des plaques dressées. Encerclées entre des murs, des parois, des plaques. Colle encerclée entre des murs, des parois. Ou colle encerclée entre des murs. Poil sous colle encerclée entre. Qui poil sous colle encerclée. Fraîche, qui poil sous colle. De passion fraîche qui poisse ou grouillant de passion fraîche qui poisse. De faubourg grouillant de poisson fraîche qui. Entouré de faubourg grouillant de passion fraîche. Sans fin entouré de faubourg grouillant de passion. Immeuble sans fin entouré de faubourg grouillant. Grinçants immeubles sans fin entouré de faubourg. D'ascenseurs grinçants immeubles sans fin entouré. Éclairé d'ascenseurs grinçants immeubles sans fin. D'ascenseur grinçant, immeuble d'escalier mal éclairé, d'ascenseur grinçant, de rupture d'escalier mal éclairé, d'ascenseur, de drame de rupture d'escalier mal éclairé, peuplé de drame de rupture d'escalier mal, d'immeuble peuplé de drame de rupture d'escalier, le long immeuble peuplé de drame de rupture, vertigineux le long immeuble peuplé de drame, caniveau vertigineux le long immeuble peuplé. Au-dessus de caniveau vertigineux le long d'immeuble, fil au-dessus de caniveau vertigineux le long, un fin fil au-dessus du caniveau vertigineux, par un fin fil au-dessus du caniveau, retenu par un fin fil au-dessus de la nuit retenue par un fin fil, de la nuit retenue par un fin, l'épaule de la nuit retenue par, l'épaule de la nuit retenue. Du jour par l'épaule de la nuit, les aimants du jour par l'épaule de. Par les aimants du jour par l'épaule, concernés par les aimants du jour par. Si peu concernés par les aimants du jour, le ciel si peu concerné par les aimants, dans le ciel si peu concerné par. Fragile dans le ciel si peu concerné, sur terre fragile dans le ciel si peu. Fragile.
d'argile dans le ciel. Thank you.
Un dernier merci. Et puis, bonne soirée. Un petit morceau de Henri Mancini.
c'est juste pour vous la mettre dans la tête. Ce soir, vous avez entendu Richard Baron, de Lena, qui joue de la guitare sur Elsin Lux. Benoît, que vous avez vu avant de la promesse. Thierry, que vous venez voir. Stéphane Rosière, qui lise ses textes. Masayuki Ishii à la guitare, qui va rentrer à Tokyo demain. Paul-Marie Barbier, vibraphone. Jean-Michel Pierre, ça va la prime. Bonne soirée.